Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler des techniques qui ont sur place avec vitesse de réaction sur des signaux donc visuels. Ensuite, nous allons voir quelques astuces, on va dire, et conseils pour améliorer vos katas, et en particulier pour les katas où on mélange des techniques en omoté et go, des katas où on travaille debout, etc. Donc des katas en travail en position haute. Donc je vais vous donner quelques astuces pour améliorer ça. Et après, vous pouvez bien sûr l'appliquer à n'importe quel kata. On va le faire sur Yan Shodan. Ce qui va nous permettre de réviser et préparer également le challenge des 100 katas qui aura lieu dimanche prochain, donc le 13 décembre. À 10h30 sur Zoom. Donc il y a déjà plus d'une vingtaine de personnes inscrites et j'espère qu'on sera encore plus que ça. N'oubliez pas, hein, vous êtes karatéka, donc il faut trouver la force et la motivation pour pouvoir faire ce challenge. Mais rassurez-vous, ce n'est pas très difficile, hein. On le fait tous les ans, donc il n'y a pas d'effort physique très important. Voilà, donc en plus là, ce sera donc sur des katas dont certains sont faits debout, donc ça permettra aussi de récupérer. Voilà, et eh bien on va démarrer tout de suite par un échauffement. Allez, 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 sur place. Ichi, ni, san, shi, go, rok, shichi, hat, ke, dieu, on change. Ichi, ni, san, shi, go, rok, shichi, hat, ke. Du haut, on croise. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ke, du haut, on change. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ke, du haut. Allez, le bassin, on tourne. Ich, ni, san, shi, go. Change ich, ni, san, shi, go. Allez, on tourne ici. Ich, ni, san, shi, go, lok, fich, hach, ke, ju. Ok. Allez, pieds joints, rotation. Ich, ni, san, shi, go, lok. Change ich, ni. San, chi, go, lock. Ok, allez, poignée. Ich, ni, san, chi, go. Change. Ich, ni, san, chi, go. Allez, coude. Ich, ni, san, chi, go. Change. Ich, ni, san, chi, go. Allez, on écarte. Et on descend. Ich, ni, san, chi, go. Alors, on essaie de bien se relâcher. À gauche, ni, san, chi, go, bloc. À droite, ich, ni, san, chi, go, bloc. Devant, on pose les avant-bras. Ich, ni, san, chi, go, bloc. On ramène un tout petit peu. On fléchit une jambe, on alterne. Ni, san, chi, go, lock, sitch, hatch, que, du. On réduit encore, on écarte les pieds, on se met en shikodachi. Ich, ni, san, chi, go, lock. On pousse sur une jambe. Ich, ni, san, chi, go, lock. L'autre côté. Ich, ni, san, chi, go. Lock, on descend encore plus. Ich, ni, san, chi, go, lock. On remonte doucement. On fléchit et on relâche. Ich, ni, san, change. Ich, ni, san. Ok, allez, la tête gauche droite. Ich, ni, san, chi, go. Haut en bas. Ich, ni, san. Chi, go, on tourne. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre.
Ayame. Yes. Ok. Alors. Ok. Allez, on va commencer par faire un peu de technique sur place. Simple. Enfin, simple. On va essayer de s'appliquer avec un maïté. On bouge devant. On fait juste Suki sur place. Allez, Ich, Ni, San, Shi, Go, Lok, Sich, Hach, Que, Ju, Eyame. Alors, donc c'est simple, mais si on essaie de prendre en compte pas mal de paramètres, donc tout ce qu'on va travailler là, ça va vous permettre aussi d'améliorer vos katas. Alors, donc quand on fait Tsuki, on travaille avec les bras, donc essayez de ne pas monter les épaules, d'avoir toujours les épaules bien basses, d'être relâché, d'accord? Quand on fait Shudan, ça va. Quand on fait Jodan, souvent il y a les épaules qui commencent à monter, donc au contraire, il faut garder les épaules basses. Ça, c'est la première chose. Donc le travail du point, la rotation à la fin du mouvement et du Ikité ici, on l'a déjà fait pas mal de fois, donc. Faites attention à ça, l'équiper le coude bien près du corps. Hein. Souvent, ça décolle un peu comme ça. Ça décolle. Je le vois quand je regarde les replays. Souvent, c'est soit ça décolle, soit c'est pas centré. Donc, faites attention à ça. Donc, quand vous allez faire vos katas, c'est pareil. Hein. Ici, on va viser bien au centre, les épaules basses et pas en face de l'épaule, bien dans votre axe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va travailler avec les hanches, d'accord? Donc que ce soit sur des attaques ou des blocages, il faut engager la hanche pour faire la technique. Donc sur un tsuki, la hanche va dans le sens du mouvement et ensuite elle revient. Quand on fait un hoi tsuki de face, on ne tourne pas la hanche ici. Ici, la hanche va tourner et on revient de face. On est complètement de face. On tourne la hanche quand on fait un kizami. Sur les blocages, bah, la hanche va aller sur le côté, on va se mettre 2-3 quarts. Donc ça, vous le savez. Hein. Mais quand on fait un kata, souvent on est concentré sur les directions, les techniques, l'ambusen du kata. Et donc on ne fait pas trop attention. Et puis on commence à faire des techniques qui sont pas bonnes au niveau des hanches. Hein. Donc il faut veiller à ça. Troisième élément qu'on va essayer de travailler donc, sur cet ensemble de. Petits exercices, c'est les positions. Si je suis avec les jambes complètement tendues, j'ai l'impression que mon corps va s'envoler, quoi. On n'a pas de pression sur le sol et donc notre technique est pas rapide et puissante. Il faut essayer de trouver ici un bon appui au niveau du sol. Et quand vous faites une technique, c'est vos jambes et vos appuis, notamment grâce aux talons, qui vont permettre de déclencher l'action. D'accord? Donc si je suis jambes tendues, déjà je suis rigide, donc ça ne va pas, je suis contracté, il faut que je relâche. Donc là déjà quand je relâche, mon centre de gravité va descendre un petit peu, et là je vais avoir beaucoup plus de puissance et d'efficacité dans mes techniques. Donc ça c'est vrai quand on est debout, mais ce sera vrai aussi quand on se déplace. D'accord? Donc si vous n'avez pas des positions basses, on va d'ailleurs faire Ian Shodan en position haute. Il ne faut pas le faire en position haute avec les jambes tendues comme ça, en bougeant les jambes, vous voyez, comme un pantin. Au contraire, il faut trouver cette flexibilité ici, trouver et travailler avec les hanches. D'accord? Donc ça va être un point important, surtout pour les plus gradés, pour améliorer vos katas. Donc que ce soit en sonoba, que ce soit avec des positions hautes, très haute même, ou des positions intermédiaires, parce que parfois avec la place, on n'aura pas la possibilité de faire des grands Zenkutsudachi. Donc si vous êtes ici, et vous voyez, ça monte, ça descend, ça c'est pas bon. Il faut rester connecté, même si j'ai une position plus courte, j'ai la sensation de descendre et d'aller vers le sol. Hein. Donc ça, on va essayer de le travailler aujourd'hui, et après on va l'appliquer sur nos quatre. Allez. On reprend donc ici notre travail de Tsuki, donc pression sur le sol, travail des hanches. Là, on va le faire en diagonale, le Tsuki. Donc là, la hanche, elle va aller dans le sens de la technique, donc comme si on faisait un Gyakutsuki en fait. Donc là, on aura la hanche de face,
et la hanche dans le sens de la T. Allez, kamaeté. Allez, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, jiu. Allez, devant. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, jiu. Et yamé, on relâche. Ok, alors on va reprendre ce travail sur Gedan Barai. Donc ici, armé et bloqué. Armé et bloqué. Donc on utilise la hanche, on ne monte pas les épaules, on se relâche bien ici. Et pression sur le sol. D'accord? Donc la sensation de descente. Allez, kamaeté bras gauche. Allez, ich, ni, san, shi, go, lok. Sich, hach, que, jiu. Ok, yamé. On va le faire maintenant en diagonale. D'accord? Donc, kamaeté, bras gauche. Donc, les deux diagonales. Donc, ici, on va commencer à droite. Ich, à gauche, ni. San, shi, go, lok, sich, hach, que, jiu. Et encore devant. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, jiu. Et allez, on relâche. Ok, donc là on a travaillé dans une position statique. Donc attention aux épaules, donc le relâchement, le travail de hanche, la position. Et donc maintenant, on va essayer de le faire en faisant des petits déplacements. Donc on va juste reprendre nos deux techniques qu'on vient de travailler, Tsuki et Gedan Barai. Donc, tout d'abord, on va faire kamaeté bras gauche, on va se déplacer un petit peu sur le côté. Et on va faire Tsuki, à gauche et à droite. Et Ich, Ni. Donc restez bas, c'est pas en remontant, c'est pas ça, hein. Avec les jambes tendues. Là, j'utilise pas la force qui vient du sol. La pression. Donc ici et là. Posé et. D'accord? Donc même si au moment où je remonte ici, mon corps monte, j'ai quand même la sensation de pousser. Hein. Il monte parce que je pousse sur mes pieds. Si je suis déjà jambes tendues, je ne peux pas pousser. Donc ma force sera moins importante. Allez, on reprend. Ich, ni, san, shi, go. Lok, sich, hach, que, jiu. Même travail sur Gedan Barai. Alors cette fois-ci, comme on va aller à l'opposé du mouvement. D'accord? Donc là, mettez bras gauche, on va faire avec le bras droit. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, jiu. Et allez, on va se mettre toujours en position haute. Donc cette fois-ci, pas en Hashidachi, mais une jambe devant. Donc un peu comme en Renojidachi, mais position naturelle et les genoux légèrement fléchis. Avec une bonne position sur le sol, les pieds bien à plat sur le sol. D'accord? Et on va faire Gyakutsuki. Et Gedan Barai. Et Gyakutsuki. Gedan Barai. D'accord? Donc, c'est pas jambes tendues et un mouvement où il n'y a rien en fait. C'est vide. Il n'y a pas de kimé, il n'y a pas de volonté, de force intérieure. Il faut serrer le ventre et avoir de la conviction dans chaque technique. On presse ici. Voilà. Et voilà. Donc dans vos katas, il faudra travailler aussi comme ça. Donc on se met jambe gauche devant. Allez, Gyakutsuki, Ich. Vous pouvez commencer doucement. On en fait 5 doucement. Ni. San. Shi. Go. Lok. Toujours avec les hanches. Sich. Hach, que, jiu. Allez, 5 rapides. Ich, ni, san, chi,
Go, lo, si, hatch, que, jo. Et allez, l'autre jambe. Allez, bien kutsuki. Restez à la même hauteur. Ichi, ni, san, shi, go, lo, si, hatch, que, jo. Allez, plus rapide. Ichi, ni, san, shi, go, lo, si, hatch, que, jo. Yes. Ok. Bien, on boit un coup. Alors, je vais mettre ça en plus grand. Hop. Alors, je vous montre d'abord l'exercice. Donc, on va travailler donc à partir de, pour l'instant, ici, Hashijidachi. On va se mettre un bras devant. Vitesse de réaction. Vraiment, là, on cherche le réflexe. Donc, faire la technique tout de suite après l'image qui va apparaître. Donc, à partir d'ici, ce sera juste de faire Tsuki, mais avec la bonne utilisation des hanches, le relâchement, l'appui au sol. Donc, dès qu'on verra le signal, ici, voilà. Et on relâche tout de suite après. Et on relâche. OK? Donc, pour l'instant, on fait Tsuki. Ensuite, on fera Gedan Barai. Donc, à chaque fois, on changera de bras. Hein. Ici, Gedan Barai. OK? Deuxième technique. Troisième technique, on fera Ageuke. Pareil, en tournant les hanches, en gardant les épaules basses, avec un bon appui au sol. Et quatrième technique, on fera Shuto-uke. Ici, ici. OK? Donc, c'est une technique qu'on a déjà travaillée plein, plein de fois, qu'on retrouve bien sûr dans le Kata Yaen Shodan. Vous pouvez après retravailler ce type d'exercice chez vous avec d'autres techniques, bien sûr. Donc, pour l'instant, on va faire donc 8 fois. Les 4 premières fois, on va juste chercher la vitesse. D'accord? Et les quatre fois suivantes, quand on recommencera, on cherchera à mettre du kimé en plus, d'accord? Donc de faire fort, vite, et de bien relâcher après l'impact. Donc le signal, eh bien, ça va être Johnny Lawrence qui va apparaître avec un maïté. Donc dès qu'on voit sa photo, on fera pour l'instant juste la vitesse. Concentrez-vous sur votre travail de hanche aussi. Juste la vitesse. Ok, deuxième technique, Gedan Barai. Que la vitesse pour l'instant. Avec un bon appui et les hanches. À chaque fois, on change de côté. Ok, Ageuke. Partez bien le point d'ici, hein. Ageuke. On ne fait pas ça. 1, 2, d'accord? Ageuke direct ici. Allez, c'est parti. Que la vitesse pour l'instant. On tourne les épaules et les hanches. On regarde par-dessous notre bras. Dès qu'on voit, ça part. Ok, Shuto-uke. Donc ici, Shuto-uke. Vous pouvez le faire aussi en diagonale hein, si vous le souhaitez, puisque de face c'est un peu difficile vu qu'on doit tourner un peu plus. Allez, je vais le faire en diagonale. Juste la vitesse pour l'instant. Tournez bien les hanches, puisque sur les autres techniques. Ok.
Donc on reprend maintenant notre tsuki, et cette fois vitesse et kimé. On frappe fort. Et on relâche aussitôt. Gedan Barak. Pour changer, on peut le faire aussi sur le côté, hein, à gauche et à droite, en 45 degrés. Comme ça, on travaille aussi notre kata en omoté 45. Donc là, vitesse et force. Tournez les hanches. Armez bien votre Gedan Barak. Ok, celui-là on va le faire de face. Vous pouvez commencer à gauche ou à droite, peu importe. Mais fort, qui met. Et dernier shuto. Tout à l'heure, je l'ai fait à 45. Maintenant, je vais les faire de face. Vous tournez un petit peu les pieds. Tournez sur les talons. Tournez bien. Armez bien. Coup de fléchi. Et yamé. Et yasu. Ok, on relâche, on boit un coup. Donc là, voilà, il n'y avait pas besoin de réfléchir sur quelle est la technique que je dois faire. Parce que quand on fait des exercices comme ça sur la vitesse de réaction, parfois, il y a plusieurs signaux, plusieurs techniques, donc il faut réfléchir. Donc notre corps doit analyser le signal, notre cerveau plutôt, avant de faire la bonne réponse. Ici, c'est juste toujours la même technique, donc c'est plus simple. Ça permet de travailler autre chose. Ok. Bien, on va passer au kata. Alors, je vais mettre ça en petit. Hop. Yen Shodan. Alors, on va refaire... les premières versions des kata Eyan Shodan. Donc je vous le répète pour le challenge des 100 kata online, vous pouvez faire les versions que vous voulez, d'accord? Moi j'en propose 10, ce qui permet aux plus gradés, ceinture verte, bleue, marron, d'essayer de faire d'autres variantes, hein. C'est pas des variantes, mais d'autres versions de Eyan Shodan dans un espace réduit. Donc, il y en a qui sont un peu plus difficiles que d'autres, hein. Ça je vous le cache pas. Donc les ceintures noires, le vrai challenge c'est d'essayer de faire les 10. Et après ceux qui sont 3e dan et plus, là le vrai challenge c'est quand vous faites les diversions, c'est d'en faire la moitié en partant du côté gauche, normal du kata, et la moitié en hura, en partant en miroir. Donc là ça demande un niveau de concentration encore supérieure. Donc c'est pas un petit challenge, hein, de faire les diversions différentes en omoté et hura. C'est, je pense, très difficile. Donc aujourd'hui, on va travailler les versions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du kata. D'accord? Donc la première, c'est en position haute. Donc on l'a vu aujourd'hui, c'est pas comme ça à la cool, j'ai entendu, où il n'y a rien en fait. C'est pas ça. Donc c'est un bon ancrage, une bonne position, et travaille avec les hanches. D'accord? Donc c'est ça ce qu'il faut essayer de faire. Même si on fait doucement, et d'ailleurs comme c'est le premier kata qu'on fera, ce sera un kata d'échauffement pour nous. Donc les 10 premiers katas qu'on va faire comme ça, on peut les travailler, mais en mettant quand même quelque chose. Et même si on fait doucement, c'est pas ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est pas du karaté. Donc, il faut mettre de l'intention, de l'énergie,
dans ce qu'on fait. Alors, donc pour revenir sur les conseils que j'ai donnés, hein, donc appliquez-vous sur vos techniques, même si on le fait doucement, Gedanbare, on ne va pas armer ici. On va faire un Gedanbare, on arme bien correctement la technique. On va bien utiliser nos hanches et bien avoir nos appuis au sol. D'accord ? Donc ça, c'est très important, même quand on fait le kata en position haute, comme je viens de le montrer. Donc ça, c'est le premier kata. Ensuite, on aura le kata sonoba. Donc, la version classique, c'est de faire en respectant les directions du kata. Sur le côté à 45, devant, de l'autre côté. Bien sûr, on ne fait pas derrière. Donc, on va faire Yen Shodan en tournant ici. C'est pareil, c'est pas que avec les bras. C'est avec les hanches. 1, 2, d'accord ? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc même si vous le faites doucement, et sur la version Sonoba, 35 secondes, c'est très largement suffisant pour le faire. Il vaut mieux le faire doucement et bien s'appliquer sur chaque technique que de vouloir le faire trop vite et de ne pas utiliser les hanches. Ok ? Donc pour Sonoba, side, donc sur les côtés et devant, ça c'est un kata qui est plutôt facile. Et il faut quand même se rappeler dans quel ordre on fait nos techniques. D'accord ? Parfois on fait deux fois à la suite avec le même bras, hein, sur les shuto par exemple. Gauche, droite, à nouveau droite et gauche. D'accord ? On ne va pas se tromper de bras. Ensuite, le quatrième kata, ce sera avec la jambe gauche fixe. Donc mon pied gauche, là, il va rester dans ici, sur cette position à peu près. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, je dois reculer. 5, là, je dois reculer. Puisque mon pied gauche est enfermé dans ce petit périmètre. Donc, ce n'est pas très difficile. Ce qui va vous poser problème, ça va être au niveau de certaines rotations. Par exemple, ici, quand on est sur le kiai, le premier kiai, ben, normalement, on pivote sur notre jambe avant. Et là, on ne peut pas le faire, puisque notre pied gauche est fixe. Donc c'est là, souvent, où on se dit, zut, comment je fais pour tourner? Donc, petite astuce, quand vous allez tourner, votre corps va tourner dans la même direction que si vous faisiez le kata normalement. Donc, si je tournais sur ma jambe avant, mon corps partirait de ce côté. De ce côté. Ben là, je pars de ce côté, mais ce pied-là est fixe, donc ça m'amène ici. D'accord? Donc voilà cette astuce. Quand vous êtes bloqué à un moment donné, on va dire, quand votre cerveau est bloqué, vous ne savez plus trop comment tourner, ben, faites comme si vous alliez tourner normalement et hop, automatiquement, on sait dans quel sens il faut tourner. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais petit à petit, vous allez y arriver. Donc, pour les plus débutants, les ceintures blanches notamment, ces versions avec un pied fixe, ce n'est pas forcément les plus simples. Mais si vous y arrivez, ben faites-le. Sinon, vous refaites position haute, par exemple, puis après vous refaites sonoba. Donc on fera jambe gauche fixe et après jambe droite fixe. Donc ça nous fait 4. Et ensuite, il y en a encore deux autres qu'on va travailler. Dont une qui est un peu difficile. C'est un petit peu le même principe, sauf que c'est go omote. Go, c'est je fais kata en reculant. Et omote, je fais kata en avançant. Donc après, je dois reculer. Donc reculer, ça signifie faire ma rotation dans l'autre sens. Donc encore une fois, dans le kata normal ici, je devrais reculer en pivotant sur ma jambe arrière. Donc tourner dans ce sens. Je dois tourner dans ce sens. Et bien quand je vais tourner dans ce sens, mais en pivotant sur l'autre jambe. Donc ça va m'amener ici. Donc, pour faire le kata en go omote sur les rotations, voilà la bonne façon de ne pas trop se perdre, on va dire. Allez, assez parlé. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de faire les 6. On va essayer. Donc, on va en faire 4 de chaque. Ok. Allez, donc position haute. Allez, je compte. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, bon appui, sach, que, hey. Ich, et hanche, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, ei, ich,
Ni, San, Shin et Yame. Au début, commencez doucement. Après, vous pouvez mettre un peu plus de vitesse dans les techniques. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire maintenant. Ichi, Ni, on s'arrête. San, Shin, Go, Lok, Shich, Hach, Ke, Ei, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Lok, Shich, Hach, Ei, Ke, Ju, Ichi, Ni, Eiyame. Donc là, moi, je vais le faire en Hura. D'accord? Donc je vais le refaire doucement. Enfin, comme on vient de faire là. Ichi, Ni, San, Shi, Go, Lok, Shich, Hach, Ke, Ei, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Lok, Shich, Hach, Ei, Ichi, Ni, San, Shi, Ei, Ame. Et maintenant, je vais essayer de mettre un peu de tempo. Donc, je vais faire mes blocs par deux et m'arrêter après chaque bloc. Ichi, Ni, Stop, San, Shi, Go, Stop, Rock, Shich, Stop, Hach, Ku, Eiya, Ichi, Ni, Stop, San, Shi, Stop, Ichi, Ni, Stop, San, Shi, Ei, Ichi, Ni, Stop, San, Shi, Ei, Yase. Ok, donc, une fois que le mouvement du kata est assimilé, vous essayez de mettre un peu de rythme et de tempo dans votre exécution. Allez, Sonoba, Loi, Ichi, doucement, Ni, San, Shi, Go, Lok, bras gauche, Shich, Hach, Ku, et là on va à gauche, Ichi, Ni, puis à droite, San, Shi, et devant, Ichi, Ni, San, Ei, gauche, Ichi, Ni, droite, San, Shi, et Yame. Ok, on se le refait, pas trop vite, mais un peu plus de vitesse dans chaque technique. Ichi, Ni, San, Shi, Go, Lok, Shich, Hach, Ku, Ei, Ju, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Lok, Shich, Ei, Ichi, Ni, San, Shi, et ok, on relâche. Donc là, moi, je vais le faire en Hura. Donc, refaites-le à la même vitesse qu'on vient de faire. Ichi, Ni, San, Shi, Go, Lok, Shich, Hach, Ku, Ei, Ju, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Lok, Shich, Ei, Ichi, Ni, San, Shi. Ok. Et maintenant, je vais faire à peu près à la même vitesse, mais en mettant du rythme donc sur mes enchaînements. Donc plus 1, 2, stop, je m'arrête. 1, 2, 3, stop, etc. Comme tout à l'heure sur le kata debout. Aïe-oi. Ichi, Ni, San, Shi, Go, Lok, Shich, Hach, Ku, Ei, Ju, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Lok, Shich, Aya, Hach, Ku, Ju, Ichi. Allez. Ok, donc je crois qu'on a fait nos 8 premiers. Ok, donc là il y a une petite pause. Vous pouvez boire un coup. Donc là, j'ai fait les pauses tous les 8, mais le jour du challenge, ce sera tous les 10.
Après, c'est toujours une question d'entraînement. Plus on s'entraîne, plus ça devient simple, plus on assimile. Donc là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'était beaucoup plus facile déjà de faire les katas comme ça aujourd'hui que les semaines précédentes. Donc on a encore 45 secondes de break. Et ensuite, on va passer au kata avec jambe gauche fixe. D'accord? Donc jambe gauche fixe, je vous montre doucement. J'avance. Donc ici, je tourne normalement. Pour l'instant, ça va. Là, je recule. Là, j'avance. Ici, je dois reculer. Et j'avance. Je dois tourner comme ça, mais pas sur ma jambe avant, sur ma jambe arrière. Et ici. Là, je tourne normalement et je recule. Puis vers l'arrière. Et 1, 2, 3. Ici, je dois tourner par là, mais je vais tourner sur ma jambe arrière. Hop, donc ici. 1, 2, 3, et dernier en recul. OK? Allez, donc là, je l'ai fait en position très haute. Maintenant, je vais essayer de le travailler plus bas. Donc, pas trop vite. 1, 2, 3, 4, go. On recule. Lock vers l'arrière. 6, recule. Hatch. Que. Et pivot. 1, 2, 3, 4. Vers le fond, ich, ni, sam, chi, pivot, ich, ni, sam, et chi en arrière. Et yame. Ok. On le refait comme ça, on essaie de mettre un peu plus d'intensité dans chaque technique individuelle. Ich, ni, sam, chi, ko, lo. Sitch, hatch, que, et, du, etch, ni, sa, chi, go, lock, sitch, et, hatch, que, du, etch, et, on relâche. Donc, je vais refaire avec cette même vitesse. Et moi, je vais le faire en hurrah. Donc, je vais changer de jambe. Je vais garder ma jambe droite fixe. Ich, ni, san, chi, go, lock, sitch, hatch, que, et ya, du. Ich, ni, san, chi, go, lock. Sitch, et hatch, que, du, etch, et allez, on va essayer de partir au bon moment. Allez, un peu de tempo. Itch, ni, san, chi, go, lock, sitch, hatch, que, et du, etch, ni, san, chi, go, lock, sitch, et hatch, que, du, etch, et ok, donc on a largement le temps. Donc maintenant, ce sera jambe droite fixe. On fait doucement. Itch, ni, san, chi, go, lock vers l'avant. Sitch, hatch, que, du, on tourne normalement, itch, je tourne en avançant et pivotant, sam, chi, go, normalement, itch, recule, sitch, hatch, que, normal, du, recule, sam, chi, et jamais, bon, allez encore. Droite fixe. Ich, ni, san, chi, go. Lock, sitch, hatch, que, et, du, ich, ni, san, chi, go. Lock, sitch, et, hatch, que, Dieu,
Ok, donc, toujours jambe droite fixe, moi je vais faire en hurrah. Donc je vais faire jambe gauche fixe pour moi, d'accord? Donc, ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hatch, que, eya, jiu, ich, ni, san, chi, go, lock, sich, eya, hatch, que, jiu, ich, eya. Bon, pour ceux qui font en hurrah, on bloque l'autre jambe, forcément. Allez, c'est parti. Ich, ni, san, chi, go. Vous pouvez rythmer un peu. Ich, ni, san, chi, ei. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hatch, ei, que, ju, ich, ni. Ok, nouvelle pause. Bon, voilà, donc quand on le fera de façon, enfin quand on le fera dans le challenge, on fera 10 fois le même. Donc ce sera plus facile de les faire les uns à la suite des autres. Là, on en fait 4, on change, 4, on change. Pour moi, j'en parle pas parce que je fais 2 et après 2 en aura. Donc mon cerveau a pas le temps de trop imprégner le truc, hein. Néanmoins, je constate que cette fois-ci, j'ai pas fait vraiment d'erreur, alors que la fois d'avant, je m'étais planté à chaque fois sur les versions en hurrah. Donc ensuite, ça va être sonoba à 45. Donc tout à l'heure, on a fait sonoba sur le côté. Maintenant, les petits côtés du kata, on va les fermer à 45 degrés. Donc ce sera, pour l'instant, je vous montre, hein, ce sera 1, 2. Puis l'autre diagonale. 3, 4, puis deux fesses. D'accord? C'est juste qu'au lieu de faire des techniques complètement sur le côté, on referme les angles ici. Allez, courage. Là, c'est un peu difficile parce qu'on switch très rapidement de kata, donc on n'a pas le temps de se mettre dans le bain, si on peut dire. Allez, yoi. Allez, ich, ni, san, chi, go. Lock devant. Sitch, bonne position. Hatch, que, voilà, si j'essaie de parler pour se tromper. Hitch à gauche. Ni, san, chi, go à gauche. Hitch, ni, san, eya, jiu, devant. Même bras, diagonale. San, devant. Et allez, on va le refaire. Alors, parler en même temps qu'on fait un kata, c'est pas évident. Même juste compter, c'est. Ce n'est pas forcément idéal. Allez, ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hatch, que, eya, jiu, à gauche, ni, san, chi, devant bras gauche, ich, ni, san, chi, à gauche, ich, devant, ni. À droite, san, même bras, chi, et on change. Ok, alors même quand vous faites lent, vous pouvez quand même donner un peu de tempo. Donc je vais essayer de le faire comme ça, un peu de tempo, et je le fais en hurrah pour ma part. Allez, ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hatch, que, eya, jiu, ich, ni, san. Chi, go, lock, sich, eya, hatch, que, jiu, ich, eya. Ok. Je crois que je m'étais trompé, mais non, en fait, c'est que je l'ai fait en hurrah, donc on termine bien avec la main droite devant. Allez, même chose, un peu de tempo et un peu plus fort. Allez. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich. Hatch, que, eya, jiu, ich, stop, ni, san, stop, chi,
Go. Stop. Lock. Sit. Aya. Hatch. Ku. Ju. Itch. Aya me. Voilà, donc si vous finissez avant, bah tant mieux, vous avez 10 secondes de plus pour récupérer. Alors, go omote, donc je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, on y va doucement, donc on recule, on avance. Itch, ni. Donc là, pour reculer, je vais devoir changer de côté. San, shi. Go, arrière. Lock, avant. Sitch, arrière. Hatch, avant. Tourne, itch, en reculant. Ni. San, shi. Go, lock avant, sitch recule, hatch, ku, ju, itch, ni, et yame. Ok, encore, c'est un petit peu un mélange de jambe gauche fixe ou jambe droite fixe, sauf que c'est juste, on recule sur les défenses, itch, ni, on avance sur les attaques, sam, on recule, shi, go, j'avance, lock, recule, sitch, hatch, ku, iya, ju, itch, ni, sa, shi, go, lock, sitch, iya, hatch, ku, ju, itch, iya. Bon, celui-là il est plus dur, hein, mais si on a bien fait jambe gauche, jambe droite, ça peut aller. Allez, moi je vais le faire en aura. Itch, ni, san, shi, go, lock, sitch, rythme, hatch, ku, eya, ju, itch, ni, san, shi, go, lock, sitch, eya, hatch, ku, ju, et... Allez, c'est notre dernier. Un peu plus de kimé. Allez, H, ni, san, shi, go, lock, sitch, hatch, ku, ea, ju. Bravo si vous avez réussi à faire ces 24 katas. Donc vous voyez que finalement, on a presque fait un quart de ce qu'on va faire le jour du challenge. Donc c'est pas si difficile que ça. Je vais voir si je rallonge encore pas un tout petit peu les pauses entre chaque kata, histoire de permettre à ceux qui sont un petit peu trompés en cours de route de finir leur kata, d'avoir le temps de le faire. Voilà. En tout cas, moi, j'essaie de mettre en application ce qu'on a vu au début du cours, c'est-à-dire les épaules basses, bien travailler avec les hanches et surtout bien utiliser les jambes et les appuis pour pas faire, quand on est debout, être jambes tendues et complètement déconnecté du sol. La pression sur le sol et la sensation de descendre son centre de gravité, ça va vous aider à améliorer vos katas. Soit Eyan Shodan comme on l'a fait là, mais n'importe quel autre type de kata. Et je vous ai aussi donné quelques astuces pour les rotations quand on mélange du go et du omote. C'est souvent là où on se trompe, hein. Clairement. Moi, dans les vidéos précédentes, sur mes erreurs, c'était toujours sur des rotations. La rotation qui est après le premier ou le deuxième kata. C'est souvent là où on se trompe. Voilà, en tout cas, bravo et merci. J'espère que ce cours vous aura aidé à mieux vous préparer pour dimanche. On va s'entraîner encore une fois avant le challenge et on fera les autres katas, donc les 4 qu'on n'a pas fait et 2 qu'on a déjà fait aujourd'hui. Donc ça permettra de se mémoriser tout ça et de bien se préparer. Voilà, merci encore à toutes et à tous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Bonsoir. Salut, merci. Merci Antonio.